So for the optimistic cynic, I shit. Ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I lickety split. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est JD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui on va parler un petit peu des HDV.5. Voilà, rappelez-vous, pour ceux qui ont joué à Clash of Clans il y a déjà un petit bout de temps, parce que les 5, c'est un sujet qui date quand même il y a un petit bout de temps. De mémoire, ça fait, c'était à peu près en 2017-2018, c'était vraiment la mode de l'HDV.5, avec notamment l'exemple de l'HDV 9.5, que beaucoup d'entre vous, je pense, ont fait, ceux qui ont joué à Clash of Clans à l'époque. L'HDV 9.5, c'était quoi? C'était tout simplement un HDV 10, où on ne posait tout simplement pas les TDE et les Archix aussi, et le nouvel Archix aussi, je crois, de mémoire. Mais c'était un HDV sans TDE, et c'était quoi le but tout simplement? C'était de jouer l'offensive, tout simplement, de faire croire au jeu en guerre qu'on était un HDV 9, parce qu'on n'avait pas tout simplement le poids défensif des TDE, mais avec une force offensive d'HDV10, qui fait qu'on avait les troupes max avec le labo et tout. Sinon le reste était max, mais vu qu'il n'y avait pas été TDE, ça faisait que tu pensais moins dans la balance au niveau des guerres. Et il me semble que depuis un petit bout de temps, du coup je pense 2018, tout simplement Supercell a fait des mises à jour, ils ont réajusté le matchmaking de GDC, ce qui fait que maintenant le point 5... Pour moi, le point 5 n'est actuellement plus d'actualité, c'est pour ça que je souhaite en parler. Et donc du coup, dites-moi, vous, si jamais vous avez fait un point 5, si jamais vous avez découvert le point 5 également avec cette vidéo, hein, pourquoi pas. Voilà, dites-moi si vous avez fait un point 5, ce que vous pensez également du point 5, enfin du moins votre avis plutôt à l'époque. Voilà, puisque votre avis aujourd'hui, certains d'entre vous, je pense, limite, vous ne connaissiez pas. Mon avis sur le point 5, à l'époque, moi, j'aimais pas vraiment le point 5, parce que déjà, j'aimais pas vraiment le principe de, entre guillemets, se prématurer, tout simplement parce qu'on ne posait pas tout ce qui est nouvelle défense et tout ça. Donc moi, j'appréciais pas vraiment. Et puis c'est un petit peu comme les NG, hein. Les NG, c'est un autre sujet, les NG, mais NG, c'était en gros faire exprès d'être préma pour pencher moins dans la balance en GDC pour pouvoir mettre des plus gros HDV au-dessus. Ça, c'est un autre débat, encore une fois. Et donc du coup, moi ça, il n'y avait pas grand monde qui aimait, hein, à part ceux qui faisaient des GDC, qui voulaient absolument gagner, sinon il n'y avait pas grand monde qui appréciait ça. Et donc du coup, ça a été corrigé également par la suite, voilà. Donc voilà, vraiment, le point 5, pour moi actuellement, n'est plus d'actualité. Si jamais il y en a parmi vous qui font encore du point 5, n'hésitez pas à faire part de votre expérience dans les commentaires, écoutez. Ça ferait toujours plaisir, et ceux également qui ont fait des points 5 à l'époque, vous pouvez dire également votre expérience dans les commentaires de l'HDV.5 d'à l'époque, surtout il y a maintenant quand même 3-4 ans. Voilà, le point 5, il date vraiment quand même, il y a un petit bout de temps maintenant, le point 5, on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui de cet HDV.5. Les plus connus, c'était, donc comme j'ai dit, l'HDV 9.5, également HDV 8.5, donc l'HDV 9 prématuré, entre guillemets, en n'ayant pas les Archix. Ça aussi, c'était beaucoup utilisé à l'époque. C'était beaucoup utilisé à l'époque pour des gros clans de GDC qui utilisaient ça vraiment beaucoup à l'époque. Et donc du coup, après, ça a été patché. Donc du coup, aujourd'hui, on n'entend plus vraiment parler des points 5. Voilà, on n'entend plus parler, alors qu'à l'époque, c'était limite la norme. Limite, à l'époque, tu faisais pas un point 5, t'étais une merde. Limite, c'était ça à l'époque. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai un petit peu raconté l'histoire du point 5, un petit peu le point 5, un petit peu sa gloire, et aujourd'hui, ce qui devient. Voilà, n'hésitez pas, j'ai déjà un autre sujet de vidéo. C'est pas la même chose, mais c'est un autre sujet de vidéo qui arrivera un petit peu sur la même thématique de choses qui étaient à la mode à l'époque, un petit peu oublié maintenant. N'hésitez pas, si vous avez des sujets également pour ce genre de vidéo, à le mettre dans les commentaires, tout simplement. Voilà. Voilà. L'HDV.5, c'était quand même quelque chose à l'époque. Aujourd'hui, l'HDV.5, dans son utilité, est mort. Et aujourd'hui, je pense même, la plupart ne font plus d'HDV.5. Voilà, même la très grande majorité ne font plus de point 5. Voilà. Et du coup, voilà, le point 5. C'était quelque chose, mais aujourd'hui, ce n'est plus grand-chose.
Voilà, bref, sur ce, on va terminer cette vidéo ici. J'espère que vous aura plu. Si vous l'avez aimé, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos Clash of Clans. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont en description. Et sur ce, moi, c'était GD. Et moi, je vous dis bye tout le monde.